Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online, bah pas sur GTA Online mais sur GTA 5 solo, étant donné que ce petit glitch vraiment très fun ne marche que sur GTA 5 solo. Donc pour réaliser ce glitch vous allez devoir tout d'abord vous munir de Franklin et d'une Sanchez, donc comme moi sur la vidéo. Donc je tiens à préciser que ce petit glitch vous permettra tout simplement d'aller dans le club, bah dans l'endroit où le DJ est. Dans le club de striptease. Donc pour réaliser ce glitch vous allez tout simplement rentrer dans le club de striptease. Vous allez vous placer comme moi sur la vidéo. Vous allez tirer sur le mur. Et quand vous allez voir que la personne qui est assise juste à gauche de moi va tout simplement se lever, vous allez tout simplement changer de personnage et vous allez très très rapidement prendre Michael. Donc vous prenez Michael, vous attendez que le chargement ait lieu. Et une fois que le chargement ait lieu, vous allez resélectionner un nouveau personnage, vous allez resélectionner cette fois-ci Franklin. Et quand vous allez resélectionner Franklin, vous allez pouvoir voir que vous serez dans le club, dans le club de striptease, mais où se trouvera tout simplement le DJ. Vous pourrez aussi aller faire un petit tour dans le bar, là où il y a les cocktails, etc. C'est vraiment super fun. Il y a vraiment moyen de caler des trucs si jamais vous voulez réaliser des petites parodies solo ou même des petits montages. Ça peut vraiment être cool. Je tiens à remercier DreamHD qui m'a passé ce glitch. Donc il y a un membre de l'AG qui s'est fait supprimer sa chaîne. Il en a donc créé une autre. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle se trouvera dans la description. Merci à toi de m'avoir passé ce glitch. Donc là je vais réapparaître, je suis en solo. Vous allez voir que vous allez un peu wallbrush. Vous n'aurez plus qu'à descendre de votre moto, donc de votre Sanchez, et vous verrez que vous serez tout simplement là où le DJ met un peu la musique et vous pourrez faire exactement ce que vous voulez. Donc pour aller dans le bar, c'est la porte qui se situe tout au fond. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais vous pourrez y aller. C'est la porte qui se trouve tout au fond, là où j'ai tué la stripteaseuse juste avant. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ce glitch. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tout ça très très bientôt. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.